Je m'apprête à faire une énorme bêtise. Aujourd'hui, j'obéis à Elsa pendant 24 heures. Pour mon plus grand bonheur. Bah toi, oui, c'est génial. T'as un arbre, en fait, là. C'est génial. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous voulez un épisode 2 où c'est Elsa qui, cette fois-ci, m'obéit pendant 24 heures, mettez un maximum de pouces bleus. À combien de pouces bleus on fait cette vidéo? 12 pouces bleus? À 12 pouces bleus, les gars. 12 pouces bleus, on fera un épisode 2 où c'est Elsa qui m'obéit. Let's go! Les gars, déjà, vous avez remarqué, aujourd'hui, on n'est pas chez moi, on est chez Elsa. Ici, nous avons le coin salon. La télé, franchement, elle est incroyable. Je suis désolé les gars, mais en fait avec Elsa à chaque fois on se pose là tranquille dans le canapé, un petit film Disney. En général Disney. Mais je dois avouer que la télé Elsa faut faire quelque chose. Ok, ensuite La salle de bain. Magnifique, de bain. En vrai elle est dingue. Je suis un peu jaloux de la salle de bain. Mais il n'y a pas de baignoire. Non, il n'y a pas de baignoire. Donc là, non, là c'est pas ouf. Attendez, il est minuit 6. Donc là, ça y est, en fait ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé depuis 6 minutes. À partir de maintenant Elsa, je suis officiellement à ton service pendant 24 heures. De minuit à minuit. Donc tu peux aller faire le lit. Je vais faire le lit. Let's go. T'as noté des idées un peu? Mais bien sûr. Putain, mais il y a trop de trucs. Mais sache qu'on ne regardera pas High School Musical. Non, je te dis dès maintenant. Elsa, ça fait je sais pas. T'as pas le choix. Ça fait en fait. Tu viens de leur dire, tu ne fais pas. En fait, ça fait depuis que je la connais. Elle est en mode, mais t'as pas vu High School Musical? En plus, il y a 3 films. Waouh, c'est super. Tu pourras regarder les 3, machin, machin. J'ai une tête à regarder High School Musical. Eh bah, peut-être que oui. Bref. Mais on va faire le lit. Je vais faire le lit. Mais attends, le lit, je dois faire quoi là en fait? Tu changes les draps et tu. Ah, faut changer les draps là. Bah oui. L'été d'oreiller. Ok, magnifique. La housse de couette. Magnifique. Et le drap. Youpi. Tu casses les couilles celle-là. Je te surveille pour que le travail soit bien fait. Ouais, ouais, t'inquiète, mais t'inquiète. Mais en vrai, ça sert à quoi de faire ce que nous dit? Ça sert à rien. Bah, comment ça? Non, mais t'es malade quoi. Moi, je suis team dormir pour dormir. Hein. Dormir dans des draps propres quand même. Oui, j'avoue. Ma chère Elsa, ton lit est prêt. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? C'est voilà, mal. Elle vient de tout gâcher. Elle vient de tout. Oh là 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 là, mais pardon. Merci. Les draps ont été changés. Bravo. Maintenant ta deuxième mission. Attends, t'es au courant que je veux dormir un jour? Oui, tu vas dormir, mais je te préviens. Demain matin, je pense que ce serait pas mal si tu nous faisais un petit déj joli. Ah oui, donc en fait, toi, c'est vraiment... T'es une princesse. Un peu. Petit déj de champion, attention. C'est-à-dire? Tu me fais un petit déj qui me fera plaisir. Mais ici, y'a rien pour faire un petit déj. Tu veux que je me lève à quelle heure? Faudrait qu'on prenne le petit déj à 9h30. Donc, je me lève beaucoup plus tôt. Tu te lèves à 9h. 9h? Je me lève à 8h30. Putain, une heure pour prévoir un petit déj. Tu ne te lèveras jamais à 8h30. Bon bah, génial, pas de souci, Elsa. Demain matin, quand tu ouvriras tes grands yeux globuleux là, et ben tu auras un petit déjeuner devant toi. Magnifique. Et l'homme de ta vie. Ah bah voilà, il manquait que ça. Donc là on va se coucher. Là on va se coucher. Les frérots, on se retrouve demain matin. Mission petit déj. Bisous. Ok les frérots, il est 9h, il est 9h tout pile, putain. Mec, je suis trop à l'heure. Il y a Elsa qui dort juste à côté. On doit aller lui faire le petit déj. Honnêtement, je vous dis la vérité, je sais pas encore ce qu'on va lui faire pour le petit déj. Je sais quelques trucs. Déjà, elle aime pas le jus de fruits. Les fruits et tout, c'est pas son truc frérot, elle aime aucun fruit. Sauf compote. Oh. On va lui mettre un petit Kinder Pinguin. Elle a plus de pommes potes. Bon, on va aller acheter des pommes potes. C'est un petit peu son péché mignon. Ah, il y a du Nesquik. Je savais pas qu'elle kiffait. Donc, on va lui faire un petit chocolat chaud. Pommes potes, Kinder Pinguin. Et après, on va aller à la boulangerie. On va acheter des petits croissants ou quoi. Je pense que c'est pas mal. Et bah, les gars, je mets mon manteau et on va faire les courses. Les frérots, Carrefour Market. Oh, ton. Un petit bocal de fraises et tout. Alors, je sais qu'elle aime pas les fruits. Mais frère, les fraises, elle peut que kiffer. Oh, il y a des pépites aux pépites. Ok les gars, oh, faites-moi confiance, avec ça j'ai tout gagné. Sa réaction quand elle va voir le pépito pépite, elle va surkiffer, vous allez voir. Ok les gars, petite pomme pote, sans sucre ajouté parce que quand même Elsa fait attention à sa ligne. Et ben, on est pas mal. J'ai carrément changé les plans, j'ai pris des trucs que je devais pas prendre, mais elle va kiffer. Artisan boulanger, magnifique. C'est pas un simple boulanger, en vrai je pense qu'on va lui prendre un croissant. Bonjour, je vais vous prendre 2 croissants s'il vous plaît. Et ben voilà mon frérot, c'était pas si compliqué. Magnifique, alors attendez les gars, il faudrait quand même présenter ça. Ah, c'est bien, il nous faut donner un petit plateau. Oh, magnifique. On va mettre le lait à chauffer. Wesh, le micro, il fait un petit bruit frérot. Le pépite, le pépite, elle va kiffer, elle va kiffer. Les frérots, je lui ai fait un petit déj aux petits oignons. Franchement, si elle kiffe pas, je comprends pas. Elsa, ah. Le petit déj est prêt. Ah, trop bien. Elsa, je te ramène ton petit déj. Faut sortir de la couette par contre. Mais t'as mis ça dans quoi? J'en sais rien, j'ai trouvé ça. Oh la vache. Oh Yuki, tu vas descendre du lit. Elle va me le croire.
Hop là, voilà, tu me diras si t'aimes bien. Trop bien, bah merci. Les beaucoup. Yeux éclairs. Laisse mes yeux tranquilles, je viens de me réveiller. Alors, j'ai trouvé des fraises, je me suis dit, qui n'aime pas les fraises? Personne. Personne. Petite pomme pote, parce que je sais que t'en raffoles, c'est ton petit péché mignon. Merci. Petit chocolat chaud, j'ai vu que t'avais du Nesquik, donc je me suis dit que tu devais apprécier le Nesquik. Ensuite, petit croissant à la boulangerie, quand même, il fallait que je passe à la boulangerie. Et le pépito pépite. Je crois que j'aurais pas fait mieux pour moi-même. Bah vas-y, bah je te laisse te régaler. Et toi, tu manges pas? Si, t'inquiète, je vais prendre une pomme pote. Let's go. Mon service a été accompli à la perfection. On en parle que t'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un truc du monsieur qui... Ah, c'est un truc du robot là. Mais en vrai, c'est parfait pour plateau. Des légumes. Mais ouais, tu te moques de moi. Mais non, je me moque pas. C'est le seul plateau qu'il y a. Mais par contre, ça sert de plateau, c'est vrai. Il est bon? Il est très bon, merci. Magnifique. Est-ce que tu te réveilles dans de bonnes conditions? Je me réveille de très bonne humeur. En vrai, moi j'ai ma pompe. Honnêtement, si tu dois noter mon petit déj, tu mets quelle note? Je crois que j'aurais pas fait mieux moi-même, donc je vais mettre un petit 10. Hein. Sache que le chocolat, il a été fait vraiment avec le cœur. Michou. Oh là. T'es prêt pour ta mission numéro 2? Qu'est-ce que tu veux? Là maintenant, j'ai très envie de faire un peu de shopping. Sauf que tu vas pas juste porter les sacs, tu vas être mon personal shopper. Ça donc là, on va à Citadium et tu choisis mes vêtements. Et ça faut que ça me plaise. Ah, en mode je te ressape? Ouais. Vas-y. T'as dit Citadium? En vrai, parce c'est stylé que parce que tes vêtements, ils sont vraiment. Ils sont grave moches, donc vas-y. Tu sais pas t'habiller on donc. Va te faire. Tiens, d'ailleurs, vu que tu m'as un peu saoulé là. Attends, calme-toi. Danse pour moi, s'il te plaît. Chaque fois que tu vas m'énerver, tu vas me faire un petit pas de danse. Donc on y va là? On y va. Tu commences à trop prendre le réflexe de sortir la caméra, Elsa. Non, mais parce que du coup, là, on va pas écouter de musique parce que j'ai envie que ce soit toi qui fasses la musique. Non mais là ouais, Elsa, là tu te fais pas du bien là. Mais je m'en fous, j'ai envie que tu chantes une chanson qui me fait plaisir. Mais c'est humiliant là. Allez, juste une chanson. Tu veux quelle musique, dis-moi? Ce que tu veux, si tu peux me chanter du Colonel Riel, ce sera encore plus marrant. Mais ces trucs quand on écoute. J'ai plus l'air, c'est Aurélie n'a que 16 ans. Oui c'est ça. Je t'autorise à la mettre une fois. Aurélie n'a que 16 ans. Un enfant, ses amis et ses parents lui conseillent l'avortement. Je connais que ça. Oh non. Bon alors chante-moi une chanson que tu connais. J'ai remarqué que t'étais chelou. Oh, t'étais où depuis tout à l'heure? Tiens donc, Citadium. En vrai, franchement, j'ai hâte de te relooker. Magnifique. C'est une bonne idée. Tu je fais kiffe. Une tenue. Une tenue de A à Z. Voilà. Donc une paire ou pas? Tu veux. Ok, je suis dans l'analyse. Là, on vient d'arriver. Je suis en train de sniper un peu partout. Je sais pas quoi t'acheter. C'est toi qui achètes? Bah oui. Les gars, j'ai vraiment trouvé la bonne. Je suis 24 heures à ton service. Oui, mais tu sais, moi, tu choisis la tenue et si ça me plaît, je prends. J'ai trouvé la bonne, les gars. Ça, t'aimes bien ou pas? Ouais, ça va. Et celui-là, là, c'est un peu plus gang. Beaucoup gang. Là c'est Elsa de la tête hein. En vrai il y a pas mal de pièces là. Là faut juste choisir. Elsa, j'ai trouvé la première pièce qui sera un peu la pièce maîtresse. Cette doudoune. Doudoune sans manche. J'ai jamais mis de doudoune sans manche de ma vie. Voilà justement. C'est carrément hors de ton style. Mais doudoune sans manche, ça accompagne vraiment trop bien une tenue je trouve. Et je pense qu'on va faire un peu comme le mannequin. Doudoune comme ça et full black. Ok. Ça fait tard en vrai. Elsa en full black. Full black TN. On va voir après. Je vais lui mettre des TN. C'était la doudoune sans manche. C'est la petite subtilité de la doudoune. Elle fait autant manche que sans manche. Ah, il y a aussi avec les manches. On les retire okay. En fait. Oh, c'est trop stylé en vrai. Allez, ça part en essayage. Là, on va te voir avec la pièce maîtresse là. Mais ouais, je te jure, ça te va trop bien. Vas-y, essaye sans les manches. Oh. Et encore, là, il n'y a pas le reste de la tenue. T'en penses quoi, toi? En vrai, ça va. Ok, la doudoune, on la prend. Ça, c'est bon, c'est validé. Passons à la suite. J'ai trouvé ton pantalon, Elsa. Ok. Ne t'inquiète pas, ne panique pas. Ça, je suis un peu moins serein, mais on va essayer. Il manque juste un sweat. Elsa, j'ai trouvé ce qu'il faut. Là, t'as vu, là, il y a une fermeture éclair. C'est pas bon. Celui-là, par contre. Il est parfait. Et du coup ça ira trop bien. Le col comme ça, les manches longues avec la doudoune, ça va être parfait. Donc je te propose d'aller essayer ça. Et après on trouve le petit sac en plus et la paire. Oh mais attends, attends. Oh non. Mais on sera raccord. Mais je te jure que ça peut bien t'aller. Je suis pas convaincue. Je pense que tu vas les essayer. Après on va aller voir en haut ce qu'il y a. Mais on garde les têtes. C'est bon, t'es prête? Oh ouais, et en vrai, non je te jure ça rend trop bien. Et je trouve qu'il y a un vrai flow, t'en penses quoi toi? J'aime bien la doudoune et le pull franchement. Le pantalon, pantalon je suis sûr mais faut voir avec la paire en fait. Ouais je suis d'accord que le pantalon il est très large. Mais en vrai ouais t'as raison, on va changer de pantalon. Ouais. Alors là t'étais en train d'essayer la tenue. Il y a des trucs qui allaient pas. Le pull je sais que tu l'aimais bien mais il y avait un Nike noir et tout. Enfin le détail n'était pas bon. J'ai trouvé des trucs mieux. Un meilleur jogo, tu vas voir il est parfait. Le pull c'est un peu pareil mais en mieux je trouve. Et la paire qui ira très bien avec. On a hésité tout à l'heure. On va les prendre, c'est les TN. Mais Elsa, tu vas voir, mais tu vas avoir un vrai flow. Oh bordel, je crois que vous vous rendez pas très bien compte de ce qui se passe. La première fois que je suis allé à un entraînement de danse avec des TN, elle m'a défoncé. Elle m'a dit, mais c'est quoi ça? Mais tu sais que tu peux pas porter ça. Tu sais qu'elles sont fraîches, sa mère. Non, mais c'est pas possible. Mais c'est magnifique. À vous, t'aimes bien.
je les mettrai jamais. Mais la taille, c'est bon ? La taille, c'est bon, oui. Bah voilà, c'est tout ce qui compte. Bah du coup, on va prendre les trois articles. Bon, Elsa, c'est moi qui suis à ton service, mais je te propose un truc. Là, on va chez toi, c'est tu bon. Te changes. Bien et sûr. Tu restes habillée comme ça pour la journée. Alors ça, pas sûr. Avec les TN. Non, c'est pour pas les abîmer. Ouais, MDR. Yuki ! Oh, elle a défoncé notre commande d'hier soir. En même temps, là, j'avoue que j'ai pas été très malin. Yuki, je la connais et je laisse traîner ça. Il y a eu un pipi sur le tapis, Elsa. Bah, du coup, faut le nettoyer. Non. Attends. Faut le nettoyer. C'est 24h à mon service. Mais comment je le nettoie? C'est sur le tapis. Yuki, tu me prends la tête, quoi. À la base, moi, je voulais rentrer, me poser tranquille, jouer à Clash Royale. Et je suis là, je suis en train de ramasser ton pipi. Tu t'es changé? Oui, c'est bon. Vas-y, bah, montre. Oh, attends, mais tu t'es... Alors là, je t'ai vraiment relooké. Hein. C'est vraiment, vraiment pas ton style. Hein. Non. Eh, mais tu sais que moi, j'aime trop. Hein. J'aime bien le jogging, je trouve super bon. Mais même le pull, j'aime bien aussi, ouais. La doudoune. La doudoune, j'aime bien. Y'a que les TN où t'es un peu moins les fan. Les TN, c'est pas... Non, mais je te jure que ça rend trop... En fait, tu te rends pas compte. En fait, avec une tenue comme ça, tu peux pas mettre des Converse ou quoi. Non, je mets des Air Force. Ouais, des Air Force, t'aurais pu passer. Donc, je mets celle-là. Pourquoi? Bah, quand tu veux. Parce que là, faut des chaussures blanches, on évite. On y va là. On bouge. Mais attends, on vient de rentrer. Bah, on bouge. On va où? On va quelque part parce que je sais que tu peux pas me dire non aujourd'hui et un autre jour, tu m'aurais peut-être dit non. Donc, là, je sais, t'as pas le choix. Tu me fais peur. Donc là, je me m'entends encore. Voilà. Mais du coup, vas-y avec ta nouvelle tenue. Bah oui, du coup. Bon, on y va. Allez, on y va. Elsa, il me faut l'adresse, Elsa. Chemin des Rouliers, Viarne. Ok, bon, bah, c'est à 1h. Ouais. Vas-y, bah vas-y, hein, on bah part. Voilà, hein. Que dit une patate quand elle tombe par terre? Purée. Ouais. Chante-moi une chanson. Oh, Dja. Y'a pas moyen, Dja. Elsa, j'ai une question. Parce que là, on arrive dans 2 minutes. Y'a que des arbres autour de nous. Y'a que des forêts. T'es chasseuse, en fait. Mais attends, mais en vrai, je vois pas où on peut être. Oh, attends, y'a un panneau. Sheraloud Park. Parc d'aventure. Comment ça, parc d'aventure? En vrai, ça a l'air de la frappe. On va faire de l'acrobranche? Non. Non, c'est pas de l'acrobranche? Non. Mais attends, c'est un truc que je peux kiffer. Oh, mais je sais, c'est quoi? On va faire de l'escalade. Non. Non? Non. Mais attends, mais où est-ce qu'on est là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bonjour. Et moi, je suis pas au courant de ce qu'on fait. C'est vrai? Je sais même pas ce qu'on fait. Si t'as vu les deux trucs, tu veux commencer par quoi? On fait deux trucs déjà. Je sais pas si j'ai envie d'être sympa ou pas. Okay. Attends, tu vas me dire là? On va aller au pied. Mais hey, moi, j'obéis pas à toi. Mais moi, après, je vais te dire. Ça. Mais en vrai, ça va, ça a l'air d'être des trucs d'art. Oui. En vrai, je pense qu'on va s'amuser. Hein. 24 heures, mon service, c'est pas 24 heures où tu fais des trucs horribles. Oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis trop habitué. Je suis habitué à tourner avec Inox et tout. Et eux, ils me font juste manger du sable pour se foutre de ma gueule. En gros, deux propositions d'activité. Oh là là. Une grande tyrolienne. La grande tyrolienne, ah. Ça fait 260 mètres de tyrolienne. Oh. Et vous arrivez dans l'élastique qui est juste là. En vrai, tyrolienne, je kiffe. Il y a moyen d'aller assez vite sur cette tyrolienne. Ok. Ok. On commence par la tyrolienne. En vrai, je suis chaud. En vrai, c'est trop bien. Lui, c'est l'autre qui va m'aimer. La deuxième, tu verras. La deuxième, je verrai. Oh là. Tu vas peut-être un peu moins aimer. Ah oui. Allez-y, mettez-vous oh là là, les beaux dingues. Eh, j'ai une question, est-ce que ça attire un peu les... On va tout caler. Ah, magnifique. Ah, parce que des fois, ça compresse, hein. Magnifique, merci. J'ai une entrejambe un peu particulière. Attends, mais toi aussi, t'as une entrejambe? Ah oui. Bizarre, ça. Et Elsa, je dois avouer que t'as un côté très aventurière que je ne soupçonnais pas. Du coup, on va devoir monter là-haut. Impeccable. Quoi? Bah, attends, comment on monte là? Il y a les ateliers là. Ah, on va faire les. Oui, voilà. Ok. Tu me suis, Elsa? Bah, attends, mais du coup, là, mais mec, on est en escalade. Wesh. Mais faut monter debout. Tu vas pas monter assis là, ça risque d'être compliqué. Debout? En fait. Voilà, essaye de mettre tes deux mains sur le câble. Ah, oui. Voilà, et tu peux te mettre un peu sur le côté. Regarde. Oh, bordel. Mais, hé, ça fait bader cette histoire. J'ai réussi, mec. Et la tyrolienne, c'est où après? Là-haut. Ah, après, c'est juste une échelle et c'est là. Wesh. Ah ouais, elle est vraiment énorme. Oh, bordel. Mais Elsa, toi, t'as plus de couilles que moi. C'est bon? Donc là, je pars quand je veux. Oui. Merci d'avoir suivi mes aventures, les gars. N'oublie pas, si jamais je meurs, c'est à cause d'Elsa. 1, 2, 3. Il est en galère. Oh, la vache. Wouah! Allez, let's go! Il est descendu en bas juste pour pouvoir y aller. J'espère que vous êtes prêts. Vous vous soulevez. Vous pouvez envoyer le soldat Elsa. Magnifique. Je vous souhaite bon courage. Allez, profite bien. On va vers la deuxième mission, soldat Michou. Deuxième mission. Mais hey, en vrai, la tyrolienne, c'était de la frappe. Hein. C'est stylé, hein. Toi, t'as kiffé? Ouais, de ouf. Honnêtement, je passe une bonne journée. Non, encore heureux. Mais là, j'ai peur, hein. C'est quoi? C'est quoi ça? Allez, avance.
Attends, tu veux m'envoyer dans l'espace? C'est comment? C'est un élastique qui te fait voler. Oh non. Mais attends, mais ça va à quelle hauteur? Le point là-haut, il est à 12 mètres. Sachant que tu vas à peu près entre 1,50 m à 2 mètres au-dessus de ce point de là-haut. Mais ça t'éjecte d'un coup. Ah ça, on va pas tout te dire maintenant. Bah oui, tu vas découvrir, sinon c'est pas drôle. Oh non. Oh non, Elsa, non, Elsa, là t'es pas gentil. Est-ce que c'est moi qui peux le lancer? Ouais. Oh, j'adore. C'est justement j'adore. Non, mais frère, c'est quoi le bouton pour lancer? Non, mais c'est pas génial. C'est génial. Ça fait trop peur. Allez, nouvelle mission, soldat. Tu disais pas qu'il fallait que je t'emmène jusque dans l'espace, dans le live? Moi, je voulais que tu m'emmènes au 7ème ciel. Bah, ça marche aussi, du coup. Je crois que t'as mal compris. T'es mal dans quelle pose je suis là? Mais t'es pas gentil. J'ai hâte. Mais après, en fait, c'est cool. Parce qu'après, quand moi je vais l'avoir fait, je vais te regarder le faire. Oui, bien sûr. Et je vais bien rigoler. Mais moi, je vais être en stress pareil. Hein. C'est pas grave si je me suis fait pipi dessus. Il va falloir que je tire là-dessus. Hein. Ouais. Tu bah, en gros, tu prends juste la corde. Ouais. À partir du moment où tu le diras, tu pourras tirer dessus vers l'arrière. D'accord, très bien. Ok. Attends, mais là, si tu tires, je pars? Oui. Non, tu mens. Frère, c'est une... Arrête, s'il te plaît, Elsa. Déconne pas. Elsa, ah, arrête, arrête. Mais ça fait trop peur. Un, deux. Oh, 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 oh. Soldat! Hey, c'est incroyable! Par contre, j'ai eu trop peur! Je me suis retourné dans les airs! Est-ce que tu veux le refaire? Non! En fait, c'est quand même trop stressant! On peut avoir une petite surprise pour toi! Oh! Une manière de lancer un peu différente! Bah, faites-la pour Elsa! C'est Elsa qui est là pour ça à la base! Attends, vas-y, dis-moi du coup ce que c'est la deuxième maison! On va faire genre de vérifier son harnais, mais en fait, on va arriver derrière, on va appuyer avec le pied, on va déjà. Non, mais en vrai! Non, mais... En vrai, une deuxième fois! Non! Tu veux pas le refaire? Non, vraiment, je veux pas! Allez! T'as envie que je le refasse? Oui! Il le refait. Eh hey, bon les gars, deux fois mais pas trois hein. Non mais attends, j'ai re le stress. Oh c'est horrible. Mais c'est quoi la façon c'est différente? Quoi? Pas sympa. Eh, j'ai paniqué. J'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Le moment où j'ai eu peur, bah j'étais déjà en l'air. Mais eh, par contre, tu vas trop kiffer, c'est incroyable. Je peux te lancer? Oui, tu peux. Je vais me faire un plaisir. Bonne chance, Elsa. Imagine que t'es relié à ça, là. Ouais. T'as peur ou pas? Ça va. Elsa, j'espère que t'es prête. Je sais, tu vas acheter des exécutions. Tu vas t'envoler sa mère. J'envoie à combien? 3? T'es prête? Non. Je sens que t'es stressée là. Quand on rigole comme ça, c'est qu'elle est stressée. 1,5. Comment on envoie déjà? Tu tires vers l'arrière. Ah, faut tirer vers l'arrière, comme ça. Let's go! Eh, elle a pas fait de salto! Mais t'as vu, c'est incroyable! T'as kiffé? De ouf! Mais c'est trop bien! C'est incroyable! C'est incroyable! Bien joué, Elsa, t'as passé ton étape, tu refais oui, une fois? Oui! Et là, je veux pas perdre de temps. On dit tous au revoir, Elsa! Oh! Wesh! Elle kiffe sa vie! Soldat Elsa, on va pouvoir rentrer à la maison. Magnifique, non? Ouais, non, on a encore un truc à faire apparemment après, putain. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Eh, c'était trop bien. C'est incroyable, franchement, merci beaucoup, ouais. C'est où ici? Sherwood Park. Sherwood Park. Charlie, ça se voit mieux. Ah, voilà, Sherwood Park. Eh bah, et merci le Sherwood Park. Merci beaucoup. Hein. Tu voulais me faire faire un autre truc à la base? À la base, je vais te faire faire un saut à l'élastique. Sauf que du coup, ça, c'est le saut à l'élastique à l'inverse. Ouais, non, mais c'est beaucoup mieux ça, hein. Saut à l'élastique, je pense que j'aurais pas fait. Mais t'aurais pas eu le choix, en bah, fait. En fait, j'aurais pas eu le choix, j'avoue. C'est 24 heures. Non, mais saut à l'élastique, c'est pareil, vraiment. Je te l'aurais mais en plus, sans rien, soit, tu l'aurais soit l'élastique, je pense que c'est pas des bonnes sensations. Non, c'est pareil que ça. En fait, ça, c'est la même chose que ça à l'envers. Là, on a de la route, là. Mais là, on va où? On va à Boulogne. Attends, parce que j'ai pas pris d'argent. C'est où Boulogne? C'est là où il y a... C'est toi qui vas gagner de l'argent, justement. Bizarre, cette histoire. Ok, arrête-toi. J'avais même pas vu que tu filmais. Je m'arrête là? Tu t'arrêtes? Mais frère, je peux pas m'arrêter, on est sur l'autoroute presque. Ah, je peux pas m'arrêter là. Ah, il s'arrête. T'as une mission, soldat? Ouais, frère, on est au milieu d'un champ. Commande à manger. Ah ouais? Bonne idée. Sauf que je ne te donne mais je commande à manger où? Aucune indication et c'est toi qui choisis. Ah, ouais, je vais demander mon plat préféré. Ah, ton plat préféré. On va voir si tu me connais bien là. Pour moi, je prends ce que je veux. Pour toi, tu prends. Oui, prends ce que tu veux. Alors là, je suis Gucci. Si tu prends pas mon plat préféré, il y a des représailles. Oh non. Ok, je vais pas venir. Mais attends, mais je commande où? Parce que là, on va pas à Boulogne. Commande pour être à Webedia. Ok. Et après Webedia, on va à Boulogne. Oui. Attends, ton plat préféré, je dois commander. J'espère que je me trompe pas. Hein. C'est bon, j'ai. T'es prête? Dis-moi pas que je me suis trompé. Non, tu t'es pas trompé. Tu voulais des sushis? Ouais. Bah, c'était sûr. Sushi. En plus, on va à Webedia. On va dans mon studio. Je vais mettre les LED en rouge. Let's go. Et bah, c'est bon. Hein. Merci Elsa pour la commande. Merci. Merci Elsa pour les sushis. Oh lolo. On a eu un briquet d'offert. Mais attends, mais ils nous ont fait un briquet. Tu fumes toi? Bah, non. Oh là là, ça va se régaler. Par contre, il manque un truc. Ah oui, évidemment.
Évidemment. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée, mais on n'a pas beaucoup de temps par contre. Bah, ça tombe bien. Bon, allez, reprenons les choses sérieuses. Tu dois dire oui à tout. Moi, j'avais un truc à faire après, mais franchement, je t'avoue, j'ai la flemme. J'aimerais bien que tu fasses ça à ma place. Ok. Tu vas donner un cours de danse. Je mens là. Mais comment ça, je vais donner un cours de danse? Bah, tu vas apprendre des gamins à danser. Tu vas donner un cours de danse. Je vais lui donner un vrai cours. Tu vas donner une demi-heure de cours. Ça va, c'est rien. Une demi-heure, mais tu vas m'aider ou pas? Je suis là pour vérifier que tu fais pas de bêtises et surtout que tu mets pas les pratiquants en danger. Ah oui. Est-ce que j'ai une gueule de professeur moi? Non. Il faut que tu saches ce que tu vas leur faire faire. Ah, mais oui, j'avoue. Là, comme c'est des gens qui n'ont jamais dansé et que c'est des enfants, ce que tu fais, déjà, c'est que tu décides ce que tu vas leur faire faire. T'as envie de leur faire faire quelle danse? Du jive. Ok. Donc, tu vas apprendre quoi? Les kicks. Kick de jive, ok. Donc, tu leur fais une petite choré. Je vais t'aider un petit peu. On y va? Bon, bah, faut y aller, hein. On est attendu. Allez. Mais il fait quoi, lui? Ça va pas? Salut! Mais attends, mais t'es en mode Saint-Valentin, là? Ouais, je suis amoureux. Bah, attends, mais tu nous as fait un truc pour nous? J'ai fait une petite surprise, là. Ça va ou quoi? Les gars, bien. Inox, ça va? Mais attends, j'ai une question. En gros, tu fais ça pour ton live en mode spécial love. Mais tu vas faire ça toutes les semaines? Non, non, je teste là. Tu sais que je vais donner un cours de danse là? Mais non. Voilà. Non, des petits qui sont venus pour. Ah, trop bien! Vas-y, bah, bonne chance. Bah, ouais, bonne chance. Ouais. Eh, mais c'est qui dit oui à tout? C'est moi. Mais je dis oui à tout ce que Elsa me dit, pas toi. Non, frère. Fais-moi d'un film, j'ai acheté le dernier Mac, peut-être. T'as dit quoi? T'as acheté le dernier Mac? Mais t'es un fou, toi. Non, demande pas. T'es pas comme ça. En vrai, c'est trop net. En vrai, c'est pas mal. Non, mais tu sais, en vrai, ça me fait un peu rire. C'est mon meilleur cadeau. Je veux pas l'acheter parce que je suis un gros rat. C'est l'occasion ultime. Non, Elsa, s'il te plaît. Téma, il est là, il gonfle ses ballons, il mérite rien. Je réfléchis. Putain, pourquoi on est allé le voir, le frère? Tu sais ce qu'on va faire? Je vais demander aux enfants de te mettre une note à la fin du cours. Ok. Si ta moyenne, elle est inférieure à 6 sur 10. Non. Top le Mac Inox. Oh, putain, donc là il faut que je sois bon. En fait, moi dans ma tête j'étais en mode je vais tourner un peu le cours à la rigolade et voilà, ça va être marrant. Mais là ça veut dire que je dois. Ok, d'accord, je dois gérer. Et ben parfait, je suis en panique. Bonjour. Il est tout mauvais. Bonjour. Ça va être tes élèves là. Tu vas être un de mes élèves? Ça oui. Ok, trop bien. Salut, toi aussi tu vas danser? Allez, venez, mettez-moi l'aise. Et ça fait plaisir de mettre les pieds sur le plancher. Tout ça se passe, donc là tu vas donner un cours de danse. Oui. Donc pour que ça se passe bien et pour que les gens déjà ils rentrent dans l'activité, tu leur fais un échauffement. Tu les mets à l'aise. Le but c'est qu'ils s'amusent en apprenant des pas. Donc après tu leur apprends 2-3 pas, ce que tu veux. Et à la fin vous faites la choré. Le but à la fin c'est de réussir à faire la choré. Ok? Ok. C'est bon? Bah vas-y, hein, c'est toi qui commence. Bah du coup je vais me présenter. Moi c'est Miguel. Je suis danseur depuis récemment. Depuis plus, ça fait 3 mois que je fais de la danse. Je serai votre apprenti prof de danse. Elsa, ma danseuse, sera là pour superviser si jamais il y a un problème. Aujourd'hui je vous propose un truc. On va apprendre le jive. Est-ce que vous avez déjà fait de la danse? Oui. Depuis combien de temps? Ok. En gros, le jive c'est une danse qui se fait avec ce qu'on appelle le rebond. Tu vas toujours monter, descendre. Et ça sera sur le rythme de la musique qu'on verra après. Et du coup, on va faire des kicks. Comme si tu mets un coup de pied, sauf qu'en gros, tu vas monter ton genou. Donc tu montes ton genou et après, tu viens taper en bas, un peu sur le côté croisé. Et pareil, tu remontes par le genou. Ouais, c'est un peu galère. Avec le rebond, ça va un truc un peu comme ça. Un kick sur le côté, on change de jambe. Un kick sur le côté, on change de jambe. Un kick sur le côté. Vas-y, fais. Le pied gauche, t'inquiète. Le... Ouais. Voilà. Ensuite, droite, on revient. Gauche, on revient. Droite, gauche, on revient. Mais c'est bien ça. Magnifique. Après, à faire passer en musique, c'est dur ça. On peut essayer en musique. 7, 8, là, 4, chaque mouvement 5, sera un 6, kick. 7, quand je vais dire 1, vous allez faire kick. 2, gauche, on revient. Pause, 2. 3, kick. 5, t'envoies. 6, tu reviens. 7, t'envoies. 8, tu reviens. Donc 2, 4, 6, 8, on revient. 1, pause. 2, pause. 3, pause. C'est pas mal. Pas mal. Il y a un petit début, vous savez faire le mouvement, bam, vous l'avez pas en compte, c'est pas mal. Toi, tu kiffes Fortnite. Moi, j'ai envie, on va se faire plaisir, on va se faire kiffer un peu, parce que le but quand même, c'est que vous kiffez l'entraînement. Est-ce que tu sais faire le floss? Oh, on a un pas mal. En gros, il faut que tu bouges que ça, sans bouger tes jambes. Tes pieds, ils sont collés au sol. Pour l'instant, tu bouges. Voilà, c'est ça. Là, tu prends tes bras, hop, et tu vas à l'inverse. Et du coup, hop, voilà, comme ça. À la fin de la choré, il faut un petit mouvement. En gros, c'est comme les kicks qu'on a fait au début, sauf que là, on va faire 1, 2, 3, 4. Tu fais comme si tu te battais contre quelqu'un. 1, 2, 3, 4. Voilà. Nickel. Les gars, bon, l'entraînement commence à toucher à sa fin. Là, c'est la prestation. Tu mets toute ton énergie. 5, 4, 3, 2, 1, 1. Merde, je me suis trompé. C'est moi qui me suis trompé. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le floss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7, 8. Les méchants qui arrivent. 1, 2, 3, 4. Trop bien. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Applaudissez-vous, c'était vraiment bien. Les gars, j'ai essayé d'apprendre comme je pouvais. Mais après, c'est compliqué parce que toi, ça va. Mais toi, forcément, c'est la première fois que tu danses. Mais c'est normal. Je suis un bon prof ou pas? Check là. Magnifique. T'en as pensé quoi? Très bien. Pas mal, très bien, merci. Ça sent bon pour les notes, ça sent bon pour les notes. En vrai, ça va, j'explique bien. Oui. Et vous vous êtes pas ennuyé? Non. C'est pas vous lui mettez combien sur 10? 6,5 sur 10. Ok. Et toi, tu lui mets combien sur 10? 8 sur 10. 8 sur 10? Merde, 8. Bravo. Ça doit faire un petit 7. Ça fait 7 et quelques en moyenne. Toi, tu me mets combien? 7 sur 10. Ah ouais? Ouais, franchement. Ah ouais, c'est très bien. C'est une bonne note. Hein. Donc, je paye pas le Mac à Inox. Let's go. Prends ça, Inox. Prends ça. Mais hey, tu vois ce que je te disais? Pourquoi toi, je te trouve trop gentille? Inox, il m'a vu 5 minutes. Hey, tu peux m'acheter un Mac? C'est un ouf. C'est vrai. Nouvelle inspection des lieux. Nouvelle inspection des lieux. Attention, là, ça risque d'être plus dur. Je rêve où il y a rien. Il y a pas de pipi tapis. Elle a rien mangé. Tu serais pas un peu gaga, toi? Je vais laisser les deux chiennes s'amuser. Fais-moi un pas de danse là, maintenant. Pourquoi tu mets un pas de danse? Parce que tu m'as saoulé. Et chante en même temps, s'il te plaît. T'as fait le BDG. Ah, ça y est, maintenant j'existe. Non, mais en même temps, c'est vrai, Yuki, c'est une chienne et toi aussi. Hein. Tu peux me faire... Non, mais je rigolais. 20, c'était 20 une pompes, blague. S'il te plaît. Une. Ça fait longtemps que je peux pas bégayer. 2, 3, 4, 9. Allez. Et la dernière, 10. Allez, c'est bon. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait des bombes. Et fais-moi ton meilleur compliment, s'il te plaît. En vrai, t'es grave intelligente. Tu valides, Yuki? Il se fait tard et il serait peut-être temps de manger un moment. Comme t'es un grand chef cuisinier. Oh non. Tu vas me préparer le repas de ce soir. Et j'ai très envie de manger des lasagnes. Et t'as pas le droit à internet. Quoi? Attends, tu veux manger ou tu veux t'empoisonner? T'as le droit à l'appel à un ami si tu veux. T'as pas le droit à internet, c'est tout ça. Mais tu veux mourir? Je sais pas faire des lasagnes. Mais attends, que... Mais c'est bon, mais t'inquiète pas, j'ai la strat. La seule fois où je suis allé dans la famille Elsa, sa mère direct elle nous a préparé des lasagnes. Et tout le monde a dit ouais c'est la boss des lasagnes et tout. Et ces lasagnes elles étaient incroyables. Donc je l'appelle pour les lasagnes. Allô? Oui, allô, ça va? Ça va et toi? Ça va, je te dérange pas? Non, dis-moi. Je t'appelle parce qu'en gros, là je suis avec Elsa. Et sauf qu'elle veut à tout prix manger des lasagnes ce soir. Et sauf qu'elle m'a dit de pas regarder de recettes sur internet. Je t'appelle pour savoir comment on fait. Tu sais qu'il faut du temps quand même, hein? Il y en a pour combien de temps environ? Eh ben, rien que pour faire ta sauce bolo, il y en a pour à peu près 45-50 minutes. Ah oui. Et après, t'en as pour une heure au four à peu près. Ok, mais après, en vrai, une fois que c'est au four, j'ai rien à faire. Faut je surveille quoi. Ouais, ok, ça va. C'est ça. Mais tu sais ce que je dois acheter et tout? Ah, mais t'as pas fait les courses? J'ai rien. Et elle veut pas que je prenne de recettes en mode de mélanger ça et ça, faire chauffer 5 minutes. Bah, ça, je peux te l'écrire si tu veux, je te l'envoie. Mais par contre, faut que t'ailles acheter, ouais, les courses quoi. Vas-y. Souci, tu me rappelles? Ouais, merci. Bon, madame la princesse, je vais faire les courses. Magnifique. Ça va ou quoi? Bah, bien. Ah, là, j'ai une liste de courses, gros, j'en ai pour une semaine. En gros, il me faut tout ce qu'il faut pour faire des lasagnes. Donc, viande hachée, lasagne, crème fraîche. Oignon, ok, oignon, et il faut... c'est là. Oignon, c'est là. Ça, ça suffit, ça. Du coup, la viande hachée, elle est vers là-bas. Du coup, ouais, toi, tu cuisines pas du tout. Pas du tout, c'est les femmes. Attends, c'est les femmes. T'as une copine ou pas? J'en avais, mais t'as capté. T'as la passion, t'as tes objectifs en face de toi. Le temps, c'est précieux. Et les sacrifices. T'as mis de côté les femmes. Mais c'est quoi ta passion? Dessin. Dessin? Artiste. T'as un ça? Tromika. T-R-O-P-M-I-I-I-I-C-A. C-A. Voilà, je m'appelle Mickaël. Tromika, trop mignon. C'est un peu un style. Ah ouais, t'as un mec mignon toi. Tu dessine dis que t'es. Des femmes. Tu dessines des femmes. Ouais, mais tu dessines des femmes comment? Je les dessine toutes nues. Mais t'es pas mignon gros. C'est quoi ce que t'appelles l'amour? L'amour gros, l'amour, c'est voilà, l'amour. On est d'accord, t'es un homme, t'as des hormones. Non, après, non, non, c'est après, pas ça l'amour. Chercher la substance. C'est pas ça l'amour. Après, faut chercher la délicatesse, la poésie. La moi, à travers mes illustrations, j'essaye. Oui, en vrai, de tu vas. Toucher. En fait, tu vois ce qu'une femme. Oui, tu dessines pas une femme toute nue pour dessiner une femme toute nue. Non, en fait, ce qui m'attire, c'est ce qu'une femme a, ce que nous, on essaye d'aller chercher, mais on sera toujours dans cette quête de recherche parce qu'il y a tellement de différence entre un homme et une femme que cette attirance là et une quête vers cette énergie là que j'essaye de capturer et retranscrire à travers mon art. Ouais, frère, j'ai rien compris. Eh, viens, on va chercher mes lasagnes là. Mais attends, mes frères, j'ai l'impression d'avoir fait les courses pour 3 semaines alors que c'est juste pour un repas. Je suis rentré. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même croisé un mec, un vendeur, il était trop gentil. Et en fait, Skip, il fait du dessin sur Insta et tout. Mais tu sais que j'ai pas vu moi. Hein. Mais tu sais ce qu'il fait ou pas? Je sais, il dessine quoi? Ah, ça va. Oh, mais il est chaud. Il m'a dit dessiner des femmes toutes nues. Ah. Ça va en fait. Bon, il y a des femmes un peu toutes.
Oui, je suis cousu. Ah oui, c'est vraiment... Ah, c'est un artiste, hein. T'en penses quoi? Franchement, c'est stylé, par contre, comme c'est fait. J'aime bien le style. En vrai, c'est un bon, mais c'est un peu trop un poète. Oh, le cul! Bon, j'arrête. J'ai des lasagnes à faire. Merci pour la poêle. La poêle? La poêle, ouais. Mais poêle, un poêle, c'est ça un poêle. Non, il dit une poêle, pas une poêle. J'ai jamais entendu personne dire poêle. Dis Siri, prononce le mot poêle. Ok. Alors, l'huile d'olive, let's go! Huile d'olive vierge! Parce que l'huile d'olive, elle peut se faire ken! En plus, vierge extra! On dirait un truc de capote carrément. Capote vierge extra. Attends, pardon. Attends. Poil, c'est prêt? T'es prêt? Poil. Poil! Bah, dis poil. Poil. Voilà. Mais non frère, ça se dit poêle. Je viens de capter, il y a un énorme problème. Je sais pas couper des oignons. J'ai hâte de devoir faire ça. Non mais pour de vrai, je sais pas faire. La première étape, c'est la pire. Objectif, ne pas pleurer. Si je pleure, je suis pas un bonhomme. Oh. Je pleure pas. C'est déjà perdu les gars, je suis déjà en train de pleurer. Alors, oh les oignons sont coupés. Elle est où la viande hachée? Les doses, j'en ai aucune idée. Viande hachée, je pense que je mets ça. Ça m'a l'air pas mal. Tu peux te servir de ça si tu veux. Ok. Ça m'a l'air pas mal, hein. Putain, mais je sais plus s'il faut mettre de la crème dans la... Mais c'est sûr. Là, ce que je fais, c'est la bolognaise, on est d'accord. Donc, je pense, les gars, que pour faire une bolognaise, logiquement, pour qu'elle soit un petit peu liquide, faut mettre quand même un peu de crème. Mais pourquoi tu rigoles? Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. T'as rien oublié? J'ai oublié quoi? Les tomates? Les tomates, je vais les mettre, mais un instant. Bon, je mets l'huile d'olive, ouais, ça m'a saoulé. Je mets la crème fraîche. C'est sûr, faut mettre la crème fraîche, hein, monstre. Et au pire, c'est pas grave, il y en a dans les lasagnes. Hop, les tomates. Je vérifie juste que je vais pas mourir. Tomates pelées, alors. Mais en fait, c'est les tomates qui font la sauce. Il y avait pas besoin de crème fraîche. Frérot, les tomates, c'est déjà de la sauce bolognaise. On va mettre ça, hein. Hop. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je suis pas confiant dans ce que je fais, hein. Ça va être l'intérieur de mes lasagnes. Franchement, c'est pas mal. Elsa, je vais te dire un truc. Quoi qu'il arrive, sache que j'ai tout donné. Wesh. Attends, mais c'est trop tard une lasagne. C'est trop tard. Qui va passer l'aspirateur? Non, arrête. Ok, alors, lasagne numéro 1. On la met là. Attends, faut mettre de la crème en dessous. Fond du plat, on met de la crème. Je mets les pâtes à lasagne collées ensemble. Et je pense qu'à mettre dans le four, elles vont se fusionner. C'est en train de travailler un petit peu là. La bolognaise, elle travaille toute seule. Pour l'instant, j'ai plus qu'à attendre un peu. Bah, justement. Oh non, j'allais éteindre la caméra, t'abuses. Pour de vrai, là, j'ai un truc à faire. Ouais, mais en fait, j'ai très envie de mettre du vernis, mais j'ai la flemme. Mais vraiment? Tu vas même le faire. Tu veux manger mal, être moche, être. Mais je comprends pas, c'est quoi ton but? Du vernis à ongles, s'il te plaît. Oui, je peux. J'ai très envie en plus. Ta main, s'il te plaît, Elsa. C'est un peu tôt quand même. Ah non, mais. C'est pas ce que tu crois. Ouais, ça coule. Tu sais que ça va être affreux, hein. Oh, oh mais ça. Eh, c'est trop satisfaisant. Oh merde, j'ai mis sur ton doigt. C'est pas grave si je dépasse ou c'est grave. Pourquoi tu ris? Moi, tu dépasses, mieux c'est. D'accord. Mais eh, c'est trop satisfaisant. Attends. Pour un premier ongle, c'est pas mal. Attends, il manque un peu là. C'est pas contre toi, hein. Mais plus ça va aller, pire ça va être. Il est grave moche ton ongle. Mais en fait, il y a des. L'ongle, il commence à rentrer dans ta peau. Donc, oui. Comment je fais pour colorier à cet endroit sans toucher ta peau? C'est pas possible. Non, mais c'est vrai. C'est bon là. Attends, j'ai l'impression que c'est mon cousin de 5 ans qui m'a fait du vernis. Mais non, là, c'est pas mal en vrai. Oh, l'ongle du pouce, comment j'ai été trop fort. Je sais pas ce qu'on en pense, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon, on m'a marié. On m'a marié, carrément. C'est pas mal. Oh, c'est trop moche. C'est une catastrophe. Je te laisse avec... J'ai de la cuisine à faire, moi. Ah oui, c'est vrai. Ce que j'ai fait, c'est un chef-d'œuvre. Écoute-moi bien, c'est un... C'est sauce pour bolognaise, ça? Ouais. Mais t'inquiète, c'est normal que ce soit sec. Là, il faut remplir un la peu. La moitié de ce que tu fais, ça va finir dehors. Non. C'est pas mal, là. On remet de la crème fraîche au-dessus. Mais non, j'ai une meilleure idée. Plutôt que de faire ça, je l'étale ici. Et là, je les retourne. Waouh. Et comme ça, bam. À ton avis, on part comment? En un mot. Franchement, je ne sais pas. Le gru-gru, le yéyer, le gruyère. On est français, non? De quoi? C'est pas du gruyère ce que t'as acheté? Oui, c'est de l'emmental mozza gouda. Ah, je sais pas si t'as fait exprès. Non, mais t'inquiète. On a nos lasagnes faites maison par Bibi. Il n'y a plus qu'à les mettre au four. Ça va au four. On est bon. Bon bah t'es prêt pour la prochaine mission. Non mais attends, mais t'es une mytho. Mais t'as un TikTok à faire aujourd'hui, j'en ai d'accord. Ah, j'ai oublié en plus. C'est vrai que j'ai un TikTok à faire. T'as une idée de TikTok? En vrai je prends, j'ai carrément oublié. Je vais t'imposer la description et tout, hein. Bah enfin ouais, vas-y. Mais c'est une blague. Non mais là c'est une blague ce que tu m'as envie de me faire. Tu vas danser comme ça là. Et je veux que tu mettes en description meilleur film. C'est devenu mon film préféré. Parce que... Mais sache que... Notre programme de ce soir, c'est qu'on va regarder...
Attends, tu vas me dire que là, je me suis cassé les couilles à faire les meilleures lasagnes de ma vie pour les déguster devant High School Musical. Ouais. Là, je suis un méga giga big canard. De toute façon, je l'ai toujours dit. Le jour où je regarderai High School Musical à cause d'une meuf, c'est que je suis un giga canard. Ce jour est arrivé. Et tu vas même faire un TikTok où tu vas reprendre. Waouh, je vais dire meilleur film. Bien sûr. Mais en vrai, je vais vous dire honnêtement, les gars, ce soir, à la fin du film, si c'était bien. Mais attends, mais la choré, elle est dure. Dans le TikTok, faut être trop joyeux. Mais hey, c'est trop dur, hein. Elle fait one, every touch, everything. Bam, bam, bam. Le TikTok va être de qualité, hein. Il est magnifique. C'est génial. C'est en fait ça se voit. Je suis trop heureuse. Il y a quelques petites erreurs, mais ça se voit que je me suis donné à 100%. Alors du coup, en description. Alors la description. Mets un truc inspiré. Je retire tout ce que j'ai dit et tu lui fais un compliment, genre c'est le meilleur film ou quelque chose comme ça, un truc bien sincère. Les amis, sachez que je retire tout ce que j'ai pu dire de mal à sur ce film. Propos de au discours High School Musical. Donc là je publie. Je retire tout ce que j'ai dit sur High School Musical, c'est vraiment le meilleur film de la décennie. Hashtag HSM Forever. Je suis d'accord. On fait quoi maintenant? Maintenant. Non, attends, il y a encore un truc. Non, arrête. Une dernière chose avant de regarder High School Musical. J'aimerais beaucoup que tu m'écrives un poème. Mais en fait, j'ai trop le seum. Je vais t'expliquer. Parce que Théodore, il t'a fait un son que t'as surkiffé, machin, il écoute tout le temps. Donc, elle est trop deck du son de la semaine dernière. Les gars, ceux qui ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, Théodore, il a eu un gage où il devait faire un son pour m'encenser. Et du coup, dans le son, il dit en mode. Il est sur toi, très clairement. Il est sur toi. Ouais, il veut me pécho. Ouais, dans le son, il veut me pécho. Et il dit des dingueries. Et moi, le son, je le kiffe. Du coup, je suis un peu jalouse. Tu vas me faire un poème en quoi t'as passé la meilleure journée de ta vie. Voilà. Bah, let's go, hein. Let's go. Ouais, je ferai ça. Tu forces. Alors attendez, un poème pour résumer en quoi j'ai passé la meilleure journée de ma vie. Attendez les frérots, je vais chuchoter parce qu'Elsa est juste à côté. Mais en fait, j'ai une idée de ouf pour le poème d'Elsa. Je vais pas me faire chier. On a rencontré Michael aujourd'hui. J'ai fait que dire qu'il avait un côté poète en lui. Je vais envoyer un message Insta à Michael. Je vais lui dire, s'il te plaît, fais-moi un poème d'amour sur l'histoire de moi et Elsa. Le poème va être incroyable et voilà. C'est bâtard de ouf parce que du coup, je vais lire un poème d'amour à Elsa qui est pas écrit par moi. C'est limite un peu glauque. Elsa, les lasagnes sont prêtes. Attends, je vais les sortir, Ça sent bon par contre, hein. Ça sent très bon, oh bordel. Oh la vache. Bon, j'avoue, la croûte, elle est très très dure. Hop. Bon alors, mais arrête de juger. C'est artistique. Au milieu ça va, ici j'avoue que c'est pas normal ça. J'ai pas mis assez de crème fraîche. Oui. C'est juste ça. Pour les lasagnes qui sont pas cuites, oui. T'as mis genre même pas une tomate pelée, il fallait mettre presque la moitié de la boîte. Ah ouais. Ah mais je savais pas moi. Non, en vrai, t'es mal, le milieu il est fondant. Faut voir un peu la C'est pas une tronche de lasagne ça. Attends, on va goûter et après on regarde devant High School Musical. Le bout que j'ai pris a l'air plutôt pas mal. Bon app. C'est pas bon. Alors, goûte, tu vas me dire ton avis. C'est pas normal de se taper une barre en goûtant. C'est un peu sec. Oh la vache, j'ai mis si longtemps à avaler une toute petite bouchée. Mais tu vois, au moins, ça, tu vas manger moins. C'est un plat ici. Faites des plats dégueulasses, vous allez forcément maigrir. Alors, moi, en fait, si je dois donner un avis, j'ai pas été assez généreux. Parce que là, quand on mange, je sens limite que la pâte. Mais en vrai, franchement, elles auraient pu être vachement bonnes si t'avais tout mis. Ouais. Mais c'est pas mauvais. J'aurais eu une recette, en vrai, ça aurait été pas mal. Bon, allez, bah. High School Musical? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. Je te préviens, regarde attentivement. Vas-y, tu peux lancer mon film préféré! Le film, il date de quelle année? J'ai 2010, mais je suis pas sûre. Non, il date pas de 2010, j'y crois pas une seule seconde. Il date de 2006. Tu vois, bah oui. Eh hey, les gars, je vous dis, eh, à la fin du film, je vous dis honnêtement ce que j'en ai pensé, si c'est bien ou pas. J'adore la pâtisserie, je crois que je. Step to the stairs, wow! Oh, c'est vraiment juste! Mais tu connais vraiment par cœur, hein. Et les skaters se mélangent au soir. Oh, c'est la choré que j'ai fait sur TikTok. Oh bordel, c'est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire, Celsa? Attends, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il est minuit passé. C'est fini, t'as plus d'ordre à me donner. Non, on n'est pas d'accord. On avait dit que tout ce à quoi tu disais oui avant minuit, ça restait effectif. T'as dit oui. Oui, ok. Ah, donc là, oui, là, il y a les questions. T'as dû dire oui, voilà. Il y a les questions. Voilà. Je te pose 4 questions. Si t'en as 2 de fausses, regarde le 2 d'affilée. T'as un joker en gros. J'ai droit qu'à une faute, frère. Le nom de l'équipe de basket et ses couleurs. Bah, les couleurs, c'est rouge. Rouge et. C'est Wildcats. Ouais, Wildcats.
Wouah, je suis trop chaud. Il y a une autre couleur. Bah, rouge et blanc. Oui. Comment ils se rencontrent, Troy et Gabriel? Au nouvel an, ils chantent ensemble. Ok. Tu me cites au moins deux catégories d'élèves. Donc, attends, si celle-là j'ai bon, c'est bon. Ouais. Au moins deux catégories d'élèves du lycée. Trois catégories. Comment ça, des catégories? C'est les groupes qu'il y avait au début du film là. Les basketteurs, les scientifiques, les cuisiniers. Non, y a pas les cuisiniers. Les danseurs. C'est trop tard. Tu m'accordes pas le point. Non, t'as pas le point, t'es malade ou quoi? Donc là, oh non. Tu me dis les trois événements qui avaient lieu en même temps. Oh, facile. La finale de basket, la finale du concours scientifique et les auditions pour la comédie musicale de fin. Et t'en as pensé quoi? Bah en fait tu vas être un peu deg. Mais en vrai de vrai, trop vieux. Et ça se ressent dans le film. Je peux pas dire que c'est un film de ouf. Oui d'accord, ok. Faut que j'aille voir un truc. Je te propose un truc. C'est que on termine pas la soirée sur High School Musical. Tu m'as demandé un poème. Attends. Faut que je regarde. Mais je regarde s'il me l'a envoyé. Oh je l'ai. Attends, mais j'espère qu'il a pas d'idée dinguerie dans le poème. Bon, je te propose quand même qu'on termine en beauté cette vidéo. Tu m'as demandé un poème. Il est préparé. Je pensais que t'avais abandonné. Ah ouais? Ouais. Je vais te le lire et tu me dis ce que t'en penses. On va terminer cette journée sur ça. Bien, Yuki. Alors, Elsa, je t'écris ce poème car tu m'as laissé sans voix. Juste nos corps dans la danse, je comprends que le problème serait sans toi. Alors j'y repense, dans tes bras je plonge. Tu es un ange parcourant mes songes. Lorsqu'on se mélange, je fais la comparaison. Avec aucune autre, tu es semblable. Tous les deux dans les parages. Une simple émotion capturée sur ton visage m'a déjà suffi pour qu'on puisse se répondre. Alors imagine une seconde, le feu dans nos cœurs à l'idée qu'on se partage. Là, j'essaie juste de faire diversion. J'ai pas pu sauver le plat de résistance. On sera plus attentif à la préparation. Tant pis, la prochaine fois, on aura plus de chance. Pour faire bref, plus rien aux alentours à part nous deux. C'est la fin de la journée. Je n'aurais pas pu rêver mieux que d'être à tes côtés. Je me demande si l'amour est ça. Cette envie de se donner à sa moitié, de se donner en spectacle. En tout cas, je souhaite à tous de rencontrer sa Elsa. Mais c'est incroyable! C'est la fin du poème. T'en penses quoi? Tu l'as kiffé en vrai? Mais de ouf! Mais comment t'as fait pour écrire ça? J'ai un côté poète en moi que tu soupçonnais pas, c'est tout. Merci. Attends. Il faut quand même que je t'avoue un truc. Ça partait trop bien. Franchement, par contre, le poème il est incroyable. En fait, je suis d'accord avec toi, il est incroyable. C'est pas du tout toi qui l'as écrit. Oh là là. Je suis déçue, je viens d'avoir un ascenseur émotionnel. Mais en fait, tu sais que je l'ai découvert en même temps que toi. Parce qu'en fait, je viens de voir dans la salle de bain, il vient de me l'envoyer. C'est le mec de Carrefour qui me l'a écrit. Non, tu mens. Je te jure. Mais en fait, je vais te dire, honnêtement, j'aurais eu le vocabulaire et j'aurais eu les mots, j'aurais pu écrire ça. Je suis un peu déçu. Les frérots, on termine sur cette grosse escroquerie. Sinon, à part ça, on a quand même passé une journée incroyable, je pense qu'on peut le dire. Si vous avez kiffé la vidéo, les gars, petit pouce bleu, on s'abonne à la chaîne, tout ça, tout ça. Il y aura une vidéo, bon, c'est pas tout de suite, mais sûrement bientôt, il y aura quand même une petite vidéo où Elsa sera à mon service. C'était un vlog un peu yes man, mais cool. Oh. Merci d'avoir suivi la vidéo, des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao l'équipe, vous êtes les boss. Mouah.